Cette deuxième section ici des finales, c'était... Est-ce qu'on va y mettre quelqu'un? Ouais, on va... Enfin, souvent je laisse le truc vide, mais là, ce coup-ci, on va mettre Sophia pour sa compétence inondation. Vous allez voir dans quelques secondes pourquoi. Troisième niveau des finales. Vas-y. Est-ce que je ferais pas mieux de mettre Garrett là? Non. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre Garrett là. Ah bon, bah tant pis, trop tard. Bah j'ai fait une connerie. Donc ici je ne mets personne. Et là. Donc j'ai fait une connerie. On est bien d'accord. Quoique. Mais bon, de toute façon, dans cette partie-ci, dans cette partie de la finale, non. Ici, il n'y a rien que je ne puisse faire. Par contre, ici, je vais essayer de tenter un truc. Je sais pas, il est peut-être trop loin. Et Ivan va se mettre ici. Voilà. Je pense qu'on est à peu près 7. Et donc voilà, maintenant que mes camarades sont dispatchés sur toute l'arène, on va pouvoir faire notre petite manip. Voilà. Oui. Retournons-y. Là, on est prêt pour le final. Suivez-moi. Donc voilà, c'est parti pour le Colisée. En espérant que je vais y arriver. Hein. En général, j'ai jamais eu de soucis. En général, maintenant ça peut arriver que je me foire. Donc déjà ici, on va déplacer. On va déplacer le pieu comme ça. Moi j'ai plus qu'à passer avec Vlad. Ici. Je vais voir si je peux. Stas. Je ne peux pas. Dommage. J'ai foiré là. J'aurais dû mettre Garrett ici. Pour éviter ce truc là. Bon, j'espère que ça peut poser de problème. Bon, en faisant attention, ça devrait aller. Bref. Ouais. Dommage. Et donc ici, Sophia fait un petit coup d'inondation. Et ça fait passer. Donc ça. Ça va passer tout seul. Allez hop, c'est parti. On est parti. Ah merde, si je commence à me foirer comme ça. Une noisette, ça pourra toujours m'être utile.
Et je vais chercher le coffre là. Je sais que c'est une peut-être une erreur de ma part, mais. Je me la pète en mode j'ai deux noisettes. Bah oui, en même temps je suis un mec hein. Ça a failli me coûter la victoire, vous avez remarqué. J'ai eu chaud. Ça a été évident que le bouclier de fer était plus intéressant que le vieux gant en cuir tout pourri. Et donc ici, la technique est relativement simple, on bourrine le Ragnarok. Vu que c'est ce que monsieur Babi veut voir, ben on va lui montrer le Ragnarok. Non, je peux encore supporter une attaque, donc Ragnarok. Et voilà, Hazard et Clamsé. Et notre première victoire. En quart de finale. Et de quoi temps on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à la nouvelle série à l'épreuve. Et puisque aussi, avant de mettre les gens, je vais bien tout regarder. Parce que c'est ce que j'ai fait comme connerie. Là, j'ai déconné. Là. Alors, les demi-finales. Alors, voyons voir. Alors, voyons voir. Description de ce niveau. Oui, vas-y, montre. Alors, ici, nous avons quoi ? Mini labyrinthe. Là, clairement, je pense pas que j'ai besoin de... Non. Bah, de toute façon, j'ai déjà regardé un petit peu partout. A priori, dans la première section, je mettrai personne. Oui, vas-y, montre. Alors, voilà. C'était là que je voulais le mettre. Je vais mettre Ivan. Oui. Ivan. Ici, c'est un boulot pour Miss Sophia. Indubitablement. Oui. Sophia. Qui va nous geler la... Qui va nous geler le pilier. Je vais le passer tout seul, ça. Oui, vas-y, montre d'ivoire. Ah, bah oui. Oui. Cigarette. Cigarette qui fera force sur le pilier. Ah,
Et maintenant, ça devrait être bon, là. Les demi-finales sont plus longues que la finale. Vlad, il est plein. Ah oui, c'est parce que j'ai filé un jean à Gareth. C'est vrai. Oui. Allez, donc les demi-finales. Voilà. Alors, toi, tu vas faire un stase. Voilà. Et toi, tu vas donc geler cette flaque. Voilà. Et donc là, normalement, hop. C'est la section. Oh merde. Ah oui, c'est... Oui, putain, la vache, je suis complètement bidon, là. C'est la section, je vais pas chercher de coffre. Donc tant pis, hein, ce sera sans coffre aujourd'hui. Une chemise ou une cotte de maille. Bah, une cotte de maille, hein, j'ai envie de dire. Donc oui, là, j'ai rushé le centre sans avoir été chercher de coffre. Bon, ben on verra bien comment je m'en sors. Mon adversaire a été chercher les coffres. Il a une vieille chemise. Alors j'attaque. Non, je Ragnarok. Ragnarok. Y'a que ça de vrai, Ragnarok. Oui, je la joue petit glandeur. C'est vrai que là, pour le coup, je pourrais faire preuve d'un petit peu plus de subtilité. Mais quand je suis dupé, ben, je préfère pas jouer. J'ai pas envie de jouer de la sécurité quand je suis dupé, parce que le truc c'est que jouer à l'attaque en étant dupé, c'est un coup à se planter. Donc Ragnarok, quoi. Et voilà, j'ai gagné la demi-finale. Et pour le final, je vais faire quelque chose de bien. Hop. Oui. Alors je sais pas si je vais gagner. Enfin, je crois que de toute façon ce combat-là on est obligé de le perdre ou je sais pas quoi. Enfin, on verra bien. Il se passe un truc bizarre. À chaque fois. Alors niveau 1. Vas-y, montre voir. Ha. Alors là, ça sent le.
l'intervention de Sophia. Mais j'ai regardé les autres plateformes avant. S'il faut que je pousse un bloc, hein, à la limite, ça peut le faire. Non, pour l'instant, j'ai regardé les autres. Alors, deuxième salle. Oui. Là, je suis presque sûr que je suis obligé de mettre Garrett. Je vais regarder, mais il y a une grosse chance que Garrett se retrouve ici. Non, pour l'instant, je vais regarder les autres. Je vais regarder les autres trucs. Oui. Bon, là, je pense que c'est le plus chiant entre nous, soit dit. Et je pense que Ivan va forcément aller ici. Parce que voilà, ouais. Ce qui est bien, c'est que dans le collégé, j'ai même pas besoin de parler plus que ça, parce que ils écrivent tout. Donc c'est magnifique. Oui, là par contre je suis catégorique, je mets Ivan, parce que sans Stase ici, c'est la merde. Alors, quatrième. Oui. Je vais peut-être mettre Garrett, moi, du coup, ici. Mais Garrett, il va peut-être pas pouvoir atteindre... Ah oui, si, je me suis déjà fait avoir. Je me suis déjà fait BZF. Non. Parce que... Éventuellement, Braise, il va dire bonjour à copain Vlad. Non, je perds trop de PV. Ah, c'est carrément pas rentable. C'est carrément pas rentable, ça. Autant me suicider. Bon, ça tout autant plus. Je monte à pied. Et ici... Niveau 5, vas-y, balance. Bah, je vais peut-être le mettre là, mon Garrett. Non, j'ai vérifié. Il sert aussi, vas-y. On voit. Ah oui, d'accord. Pas de problème. S'il faut que je me démerde tout seul. Non. Ok. Donc ouais, bah, je vais faire ça. Je vais mettre Garrett ici. Je vais mettre Garrett ici et Sophia atteint la première. Garrett, c'est un son fort, ça va m'être utile. Et donc du coup je vais aller à la première cahute et j'ai déposé Sophia. Ça devrait être pas mal. Encourager Sophia. Voilà. Et on va pouvoir y aller. Oui. C'est le moment. Force. Kawabunga. Shriek. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Voilà.
troisième manche, on va essayer de faire son mieux que mieux. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. Celui-là est assez énorme comme un fumigène, putain, j'avais pas besoin de ça. Une noisette par contre, ça c'est cool. Là, c'est là que j'aurais peut-être dû mettre mon pouvoir de croissance, mais en faisant ça je m'enlevais 110 PV et c'était inconcevable. Bon, ici c'est coincé donc c'est bien, tranquille, je peux courir. Et hop, je suis arrivé avec une clé mort, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup d'avance sur l'autre, hein. Oui, donc j'ai pas trop parlé pendant le... N'invente pas. Allez. Ah, il est capable de fondre la pierre. Il a déjà commencé par lui entraver son agilité. Oui, parce que là par contre je vais lui balancer une belle invoque dans la tête. Granite. Je suis pas sûr que je fais le mieux. Comme ça, voilà. Ensuite, Jin Silex. Non, racine. Hop, je récupère tout mon PV. Et là, je lui envoie un humus en pleine tête pour l'immobiliser. Et là, je l'avoine. Babi voulait du spectacle, il en a ce psy. Alors là, c'est là que c'est soit ça passe, soit ça casse. Dans le doute, je vais me soigner. Le temps que mes jeans reviennent. Et là, il s'est défendu. Parfait. Je pense pas pouvoir l'avoir, les enfants de ce coup-là. Nickel, tout se passe très bien. L'avant-pave ne va pas résister. Par contre, voilà quoi, on a perdu. Enfin, on a quand même perdu quoi. Vlad. Oh ta gueule. Bon, oui, non mais ils savent plus dire que ça, c'est chiant. Voilà, Vlad. Il parle en Vlad.
Brad, il fait un somme. Vlad s'est endormi. Oui. Ouais. Bon, les blagues les plus courtes sont les meilleures, Ivan, arrête. Le Colisée, ça fait longtemps qu'il est terminé, tiens. J'ai dormi combien de jours? Tu es tombé dans un profond sommeil. Tu es tombé dans un profond sommeil, tu t'en souviens? Non. Sûr que non, il était évanoui, tu nous as inquiétés. Ah tiens.